Eh bien salut tout le monde, ici Azarath, on se retrouve pour la suite de Fallout New Vegas. Et si vous vous souvenez bien, la dernière fois je me suis fait laminer par ces putains de mutants. Et voilà, c'était pas très très chouette. Du coup on va essayer de se les refaire. Alors salut. Alors je vous avais dit que je ferais ça en off, mais j'ai envie de le faire, de le refaire avec vous, d'essayer de les pourfendre. Et on va faire ça deux jours. La dernière fois j'étais de nuit, là j'ai tout simplement attendu que la nuit passe, et on va faire ça tout simplement deux jours. Donc on va y aller tranquillement. Alors j'avais fait plein de petits montages à l'épisode précédent, j'espère que ça vous a plu. Par contre ça m'a pris des plombes, et je sais pas si je vais le refaire. Je ferai ça dans quelques épisodes, ou des fois quand j'ai un peu le temps, je ferai des petits montages comme ça, juste pour délirer. Ça peut être sympatoche. On va voir. Donc peut-être qu'il y aura des montages, peut-être pas, j'en sais rien. Dans cet épisode-là, je ne pense pas, hein, parce que là, je suis en train de faire des vidéos à la chaîne. Et comme j'ai mon nouveau micro qui marche bien, j'en profite à fond, là, j'enregistre des vidéos à crever. Et je les sortirai aussi vite que possible sur YouTube. Donc je ne pense pas qu'il y aura de petits montages. Comme au dernier épisode, allez, c'est parti. Alors toi, 20%. Allez, on va essayer de se le faire. Je suis peut-être un peu loin, là. Enfin, je suis un peu loin. C'est bon, je l'ai eu. Ah, il a un ciseau dans l'œil, en fait. Putain, il est dégueulasse. Il est dégueu. Alors, feral good, capsule. Ok, nickel. Par contre, là-bas, si je me souviens bien, il y avait plein de monde. Alors, je vais changer d'arme. Maintenant que je sais à peu près où ils sont, je vais carrément y aller à la grenade, comme un gros fou. Parce que là, ça sent pas bon. Parce que là, si je me souviens bien, ils sont quand même nombreux. Là. Allez ! Boum ! Dans votre gueule, pardon Cheyenne, mais là, il y a trop de monde. Il est... Ok. Alors là, il y avait le squelette de la dernière fois. Allez ! Apparemment, là, il a une... Allez, boum, boum, boum. Nickel. Il reste plus que le... Ah non, ils sont encore plusieurs. Allez. Plusieurs répétitions. Le squelette... Il est pas mort, hein. Le salopio, il est pas mort. Je croyais qu'il était mort. Bon, il y a un vieux bug. Putain, ils sont tous... Quoi? Oh putain, je m'attendais pas à ça. Ils y vont au fusil à plasma, les salopards. Allez, allez. Ok, recharge. Allez, Sony, résiste. Résiste, Sony. Ok, point d'action rechargé. En pleine tête, allez, vas-y. Non, Sony Smile, elle fait la gueule, là. Ça va pas. Allez, oh la vache, putain, salopard. Elle a l'air de résister quand même, hein. Allez, crève. Elle est pas encore mort. Allez. C'est bon, on l'a eu. Par contre, la radiation, waouh, ça monte vite, hein. Ça monte vite. Argent d'avant-guerre, toujours bon à prendre. Le squelette. Ok, c'est ça qu'il avait comme arme. Mais on s'en fout. Waouh! Salopard! Esquive! Alors, il a 41% au niveau de l'arme. Si on peut le désarmer, ce serait cool. Si on arrive à le désarmer... Ok, c'est complètement raté. Cheyenne, réveille-toi, Cheyenne. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais non! Je ne veux pas tirer sur Sony Smile. Allons.
Alors, sur l'arme, 64%. Si je lui pète son arme, il est foutu. Ah, c'est pour moi. Aïe. Wow. Ça va, les projectiles d'armes à énergie sont facilement esquivables. Allez, on va prendre un petit coup d'incinérateur. Allez. L'incinérateur, c'est toujours efficace. Ok, j'ai pas assez de PA. D'accord, d'accord. Oh non, j'ai pas assez de PA. On va y aller comme ça. Ah, oh, j'arrive pas à viser avec ça. Hein. Je l'ai eu. C'est bon, je l'ai eu. C'est pas un fusil à plasma qu'il avait, c'est quoi son arme de ouf, là? Ah si, plasma rifle, bah merde. Attends, je vérifie parce que dans l'épisode précédent, il ressemblait pas à ça. Hein. Si je me souviens bien. Plasma rifle. On va l'équiper pour voir. En mauvais état, il doit être réparé pour gagner en efficacité. Vous pouvez réparer un P-Boy. On en cherche un marchand. Enfin, vous-même, la réparation. Il faut des pièces provenant d'une arme identique. D'accord. Ah, c'est vrai que l'arme, elle fait la gueule. Hein. Ah, c'est bon. Il s'est réveillé, l'autre. Le coco. Ok, j'ai récupéré des munitions. D'armes énergie. On va prendre le plasma pistol. Voilà. Il a l'air de faire pas mal de dégâts. Il y a un gros mutant dégueulasse là-bas, je crois. Il y a un de ces salopards. Ouais, il est là-bas. Ok. Ok, ok. On va essayer de... Ah. Wow, il y a mon chat qui vient de tomber du meuble. Mais qui est con? Putain, il arrive. Allez, Cheyenne. Attaque, Cheyenne. Attaque! Coup critique. Ah, il va vite! Ah merde, j'ai plus de munitions. Apparemment, c'est pas les mêmes munitions. Ok, est-ce qu'on peut prendre un shotgun? Ça peut être efficace au corps à corps. Un truc qui fait du dégât par seconde. Alors, dégât par seconde. Et si je prends un incinérateur? Si je lui crame sa gueule, c'est peut-être efficace contre un mutant le feu. Allez, on va essayer. Crève! Saloperie! C'est bon. Ça a mis du temps, j'ai plus beaucoup de vie. Putain, j'ai tout cramé. Oh, Cheyenne! Pauvre Cheyenne! Il va où, là? Ah, il s'attaque à quelqu'un d'autre. Ah, il y en a un deuxième. Mutatête. Ah non, c'en est un autre, ça. Un autre type de mutant. Oh, c'est laid. Oh, que c'est moche. Non, mais je veux pas viser Sony. Moi, c'est bon, c'est parce qu'il est mort. Ok, ok. Toi, t'avais quoi? T'avais toujours la même merde sur toi. Bon, l'incinérateur fait la gueule. Hein. L'incinérateur fait la gueule. Est-ce que je peux lui donner, au fait, l'incinérateur? Je suis en train de me demander si je peux pas lui donner des armes. Par exemple, attends. Parce que je lui donne un pistolet 10 mm, mais elle s'en sert pas. Mais si je lui donne une arme plus puissante. Ouvrir l'inventaire. Alors. Par exemple, incinérateur. Ou alors fusil. Un fusil assez puissant. Je vais donner l'incinérateur. Et le... Le... Je sais pas moi... Plasma pistol. Ah, j'hésite. Allez, je vais lui donner le plasma pistol, on verra bien. Ah, ouais. Elle utilise toujours son fusil? Je sais pas. Je sais pas trop. Nous, on va prendre... Pourquoi pas le service rifle, tiens. On va prendre celui-là. On va s'armer de ça. Même s'il est pas en grand état... très très bon état. Ah ouais, c'est vrai que c'est moche. Hein. Pouah, la vache. Putain, c'est horrible. Franchement, c'est dégueulasse. Bon. On va avancer tranquillou. Pour l'instant, ça se passe bien. Oula, j'avais pas vu ma vie. J'avais pas vu ma vie. Stat, état. Putain, j'ai pas de steampack. Il me faut de la bouffe, alors. Fixeur, on s'en fout. Cloche de baisse, on s'en fout. Allez, boucher d'Iguan. Par contre, c'est complètement irradié, ça fait chier. Kit de réparation. Hop. Pomme d'Andy Boy. Psycho, je prendrai plus tard. Ah bah je vais prendre un Radaway, tiens. Ça va faire du bien. L'homme de Brahim.
Viande de gecko, viande de chien. Voilà. Viande de râteau. Et c'est bon. Normalement, les PV vont vite se recharger. Ouais, ça a l'air de monter, c'est cool. Par contre, il me faudra du steampack pour arranger mon état de santé au niveau de l'infirmité, quoi. Ok, alors là, on a nos amis ghouls. Nos amis ghouls... Oh là, ouais, ok. Ah. Entrer dans le site et découvrir l'origine des ghouls, d'accord. Alors lui, il a un laser rifle. Watts, 2000 XP cap. Ok, alors attends. On va tester. On va déjà fouiller un peu partout. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a lui sur lui? Microcellule, hop. Il a le plasma rifle. Alors j'ai trouvé un mode. Enfin un mode pour une arme. Hein. Une pièce. Ah, je vais pouvoir réparer. Ok. Cool. Réparation. Hop. Ok, donc le plasma rifle, voilà, il fait déjà moins la gueule. Le laser rifle, il en est où, lui? Niveau dégâts par seconde, 40, 11. Et le plasma rifle, 30, 49. Ah, ça n'a rien à voir. Est-ce que on peut lui mettre le mode? Non, je crois que c'est un mode pour... Je vérifie, c'est peut-être un mode pour le laser rifle. Non, même pas. Pour le pistolet, alors? Laser pistol? Non, je sais pas. C'est peut-être pour le plasma pistol, j'en sais rien. Bref. On va prendre le plasma rifle. Il a un peu réparé. Voilà, c'est nickel. Il est réparé. Ça va aider. Ou alors, j'ai vu ce qui m'avait tué la dernière fois, c'est l'espèce de mutant énorme à deux têtes. Le machin, il m'enlève trois quarts de ma vie. Putain, il est encore là-bas en plus, je crois. Je sais pas s'il est encore là. En tout cas, c'est lui qui m'a tué. Là, il y a 4 ennemis. S'il est là-bas, putain. Je sais pas comment je vais faire pour l'avoir, celui-là. Je sais pas du tout comment je vais faire. Là, c'est... Franchement, c'est trop chaud, quoi. On va faire une sauvegarde rapide. Pas faire la même connerie que la dernière fois. Voilà, sauvegarde rapide. T'inquiète pas, Cheyenne, ça va le faire. Si on essaie de les avoir à distance... Bouge pas, bouge pas. Touché, touché. Ok, il y en a déjà un qui arrive. On va essayer de les avoir un par un comme ça, tu sais, tranquille. On va l'attendre. Je crois que c'est la meilleure technique à avoir, de toute façon. Oh merde, merde, ils se ramènent tous, ça y est. C'est parti. Ok. Alors toi... Hop. Boum. Boum. Ok, un de moi. Allez là. Merde, 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 merde. Ils sont tous en train de se ramener. Allez. Cheyenne inconscient. Waouh, il a l'air de faire très très mal le fusil à plasma depuis que je l'ai réparé. Ok, hop, normalement ça devrait être bon. Wow, c'est quoi ce vieux bruit? Ok. Normalement, d'après ce que je me souviens, il doit rester un squelette quelque part par là, avec une arme à distance. Ah, il y a l'espèce de savant fou, je tire un coup là-bas, on va essayer de les attirer. Je sais pas si ça va fonctionner. Ah, Cheyenne est debout. Ok, c'est cool. Non, ben, je vois pas d'autre choix que d'avancer. Faut se les faire. Hein. Faut se les faire. On va faire une sauvegarde rapide. Hop. Voilà. Comme ça, on est sûr de pas devoir se retaper toutes ces merdes. Alors, est-ce qu'il y a un squelette là-bas? Ouais, c'est un squelette qui est là-bas. On va essayer de l'attirer. Se les faire un par un. Allez, touche. C'est bon, je l'ai attiré. Ok. Enfin, il s'est énervé, en tout cas. Je crois qu'il s'est replié, en fait. C'est pas grave, allez. Mais franchement, l'abomination, là... Putain.
Est-ce que je peux pas dire à Sunny Smile d'aller là-bas en fait? On va voir. Alors, reste à distance, non, reculer. Non. Comment je peux lui dire? Attendre ici, utilise Team Pack passivité. Oh, je sais pas. Non, je peux pas lui dire. Je peux pas lui dire donner des ordres directs en fait. Je ne peux pas lui donner d'ordre direct, c'est un peu con. Alors. Oh putain, je le sens pas du tout ce monstre. Allez. Ah, le squelette m'a vu, je crois. Non. Il y a le squelette là-bas. Il arrive. Il est armé. Il est armé, ça se voit. Non. Si, il est armé. Bon, il a une vieille carabine, mais bon. Par contre, on va attendre qu'il s'approche. Ok. Ok, il y a le savant fou qui arrive. Il y a... Oh putain. Oh putain. Oh putain, ça y est, c'est parti. Alors, j'ai 22% de chance au bras droit. Bah écoute, on va viser le bras droit. Raté, putain. Touché, touché dans les jambes. Faut que je me concentre sur ce truc. Putain, 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 putain. C'est lui qui est hyper dangereux. Allez, on y croit, on y croit. Est-ce que ça lui fait mal? Ah, je lui enlève même pas une barre de vie à chaque fois. Oh là 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 là, ça va être compliqué ça, ça va être compliqué. Putain, Sunny est à terre. Sunny est à terre, Sunny est à terre. Elle va être à terre, elle va être à terre. Ok, ok, ok. On va... Ah putain de merde, il est trop puissant. Sunny est à terre. Putain, c'est foutu. Cours. C'est foutu, c'est foutu, je suis mort. Ah là là, raté, raté, raté. Raté, raté, putain. Et puis il court vite le bâtard, il court vite. Oh mon dieu, je vais mourir. Plus de munitions. Ok, qu'est-ce que je peux utiliser? Qu'est-ce que je peux utiliser? Les grenades? J'ai pas de... Ah, c'est con que j'ai pas de... Putain de grenade dans le lance-grenade, là. Fusil lance-grenade, maintenant, c'est pareil, ça, putain. Dégâts 44. On va prendre le calibre 12, tant pis. Ça va pas être très efficace, je pense. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Il me fait trop mal. Il me fait trop mal. Vous avez vu le mastodonte? Comment je peux tuer ça? Sérieusement, comment je peux tuer ça? Comment je peux tuer ce truc? Franchement. Ou alors faut que je me la joue fufu et que je passe quoi. Putain. Comment je vais faire? Comment je vais faire sans déconner? C'est quoi mon arme la plus puissante déjà? Ça c'est pas mal, mais c'est précis, mais... Voilà. Non, lance 2G c'est de la merde, je sais pas ce que je fais avec ça. Laser pistole. Laser rifle, est-ce qu'on se la tente au laser rifle? C'est un peu plus précis. Ça fait moins mal, mais c'est plus précis. C'est ça le truc. On va se la tenter au laser rifle. On va se la tenter. Au pire, quand il est sur Sony, je balance plein de dynamite. Je sais pas. Merde. Ça y est, il s'est énervé. Ah non, il se recule. Ça va, ça va. Il est parti. On va pouvoir s'occuper de lui. On va pouvoir s'occuper de lui tranquille. Hop. Bah, il a pas l'air de faire très très mal, hein. Le laser... Eh, je suis une bite, hein. Ok. Je suis en prudence. Putain, il arrive l'autre. J'ai touché, je crois. J'ai touché, il arrive. Il
Il arrive. Pour l'instant, ça se passe bien. Je vise tout à la tête, là. Allez. Ok, c'est cool. Ça se passe bien. Plus de munitions. Ok, faut que je lance les... Oh, putain. On y croit. Elle est à terre. Putain, elle est à terre. Est-ce que j'ai des munitions pour le plasma? Non, je pense pas. Dégâts par seconde, 50. Eh. J'y étais presque. Il est trop dur pour moi. Un putain d'épisode entier bloqué à cause de ce connard à deux têtes. Non mais sérieux quoi. C'est pas possible. J'ai combien de capsules? 187, putain. J'ai pas assez de thunes. Sinon j'aurais recruté des mecs. J'aurais ramené des gardes avec moi, tu vois. J'aurais recruté des mecs et puis... Voilà. Parce que là j'ai besoin de monde. Je peux pas y arriver tout seul. Je peux pas du tout y arriver tout seul. Ou alors je reste au service rifle. On va essayer. On va tout de suite s'occuper de lui. Allez. Viens là toi, fils de pute. Allez, viens. Viens là, je te dis. Où tu vas? Ramène ton cul là. Il était presque mort, putain de merde. Je tiens le bon bout, je sais, là je tiens le bon bout. Je crois que j'ai trouvé la technique, faut le bourriner. Faut envoyer le plus de projectiles possible dans sa gueule. Et toi le chat, touche pas à mes saucissons. Non mais oh. Je n'arrête pas cet épisode tant que je n'ai pas tué ce bâtard. C'est moi la fucking bâtard à deux têtes. Franchement, il me saoule. J'en peux plus. Putain, il m'énerve. Allez. Courage. Ah, mais j'ai le truc qui donne 25 points de dégâts en plus, là. 25%, j'en ai deux en plus. Oh, je vais m'en servir. Je vais l'attirer. Pardon, je vais l'attirer, je vais m'en servir. Allez, ramène ton cul. Allez, viens par là. Viens par là, bâtard. Allez. C'est ça. Viens. Ok, c'est parti. Je prends mon... comment ça s'appelle? Psycho. Si je prends les deux, est-ce que ça me fait 50? Ou alors est-ce que ça prolonge l'effet? Bon allez, je prends les deux. J'ai une inconsciente, ok, on se recule.
Il est après moi. Il est après moi. Putain, il est après moi. Mais non, non, non. Pourquoi il est pas sur Sony? Eh merde, fais chier, putain. Oh là là. Faut que Sony soit devant. D'accord, il faut que Sony soit devant. Est-ce que je garderai pas le fusil? Allez, il faut... ok, je vais garder le fusil. Je vais l'attirer avec une autre arme et je vais garder le fusil, le plasma rifle. Allez, MP38, rien à foutre, allez, mitraille. Il est où? Allez. Ramène-toi! Viens ici! Viens ici! Viens ici! Allez, viens par là. Sunny, tu restes devant. Sunny, tu restes devant. Ou alors, je peux lui mitrailler la tête. Il fait pas très mal aussi, je crois, mon truc. Je crois que celui qui a le plus de... Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Non, recule pas, Sunny, recule pas, putain. Ok, c'est parti. C'est parti, je vais reprendre quand même le service rifle, il fait beaucoup de dégâts par seconde. Je vais reprendre les psychos. Ok. Allez, 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 allez. Il est coincé! Il est coincé! Yeah! Dans ta gueule! Dans ta grande gueule, enfin dans tes gueules, espèce d'enfoiré, va. Oh, t'as intérêt à avoir du loot, hein. Fils de pute. Oh, oh là là, je suis heureux. Je suis heureux, je suis heureux. Ah. Il a rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, il est mort. Au moins, il est mort. Il est dead. Je l'ai éclaté. Oh, ça fait du bien, putain. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Oh, on se l'est fait. On se l'est fait. On se l'est fait. Oh, putain. Bon, ça fait 27 minutes qu'on tourne. 27 fucking minutes. Sauvegarde, 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 sauvegarde. Fais pas le con, sauvegarde. Ok. Homme de Dieu. Donc là, on est bon. On est bon, il y a encore des ennemis, Il y a encore des ennemis, mais... On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, pour cet épisode. Donc pour le prochain épisode, on va pouvoir rentrer dans cette putain d'usine. Hein ? Enfin ! Rentrer dans cette putain d'usine. Et continuer notre quête avec les ghouls. Je sens que c'est pas prêt d'être fini. Oh là là, on est... Un épisode et demi pour rentrer, quoi. Je vois bien à la fin du jeu Fallout New Vegas épisode 447 là. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Si ça vous plaît, c'est le principal. Bon. Bah voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Même si j'ai pas eu une grande performance. Mais on l'a eu. On l'a eu. On l'a eu, cet enfoiré. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait pour connaître toutes les dates de sortie, être au courant quand il y a une vidéo qui sort. Et lâche un commentaire si t'as des conseils. Si t'as des conseils pour m'aider à battre des ennemis de ce genre. Même si je crois que c'est des ennemis ajoutés par des mods, ceux-là. Et si t'as des conseils de bataille et tout. On m'a conseillé de prendre absolument tous les objets, parce que tout est bon à revendre. Et on m'a dit aussi que les compagnons peuvent servir de mules. Donc ça, je commencerai à le faire à partir du prochain épisode. Donc c'est un super conseil, merci à toi. Et voilà, donc je vais vous laisser, hein. On se dit à très bientôt pour la suite. C'était Azarath pour Gaming for Fun, bonne soirée, bonne journée, et je vous dis à la prochaine, ciao.